Ramène-toi, ma petite sœur est là. La petite sœur de Job. Est-ce que tu peux garder un secret? Donc, JT, c'est ton pseudo? J'ai trouvé ça tellement beau. J'avais jamais rien lu de pareil. Le mec, là, c'est qui? Mon avatar. J'étais vraiment pas bien quand j'ai écrit ça. Il y a quelque chose qui s'est emparé de moi. Ah ouais? Il a commencé à me raconter sa vie, histoire après histoire. J'ai tout écrit et j'en ai fait un livre, qui est devenu un best-seller. Non mais t'imagines? S'il savait que c'était moi, JT Leroy. JT ne se sent pas bien, alors je dois vous dire, à mon grand regret, que finalement il ne sera pas là ce soir. Je l'avais dit. Non. Je me demandais si je pourrais te prendre en photo pour que ça lui serve de portrait. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis une fille, tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est évident, mais... Non, t'as réfléchi, toi, quand on te présente quelqu'un, tu remets jamais en question son identité. Ouais, très bon. Très joli. Faut que j'aille pisser. Je crois qu'il en a assez pour aujourd'hui. Quoi? Mais j'ai eu le temps de faire que quelques photos. Oh, vous vous rendez pas compte de la chance ouais, que vous avez? Sais. J'étais à deux doigts de gerber quand je suis entrée. Oh, c'est à fond, j'étais... Une productrice d'Hollywood qui veut adapter Sarah au cinéma. Ce serait magnifique, non? Je suis contente que tu sois là. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre. Je tenais seulement à te dire à quel point tes livres sont importants pour moi. J'ai vécu dans la rue, moi aussi, pendant un moment. Il est vachement réel pour plein de gens. Tu devrais écrire sous ton propre nom. C'était moi, cet ado. Alors oui, tout ça, c'est bien réel. Dis-moi que t'as écrit ces romans et que t'es bien la personne que tu prétends être. Je pense que j'étais la personne que tu veux qu'il soit. On nous donne cette personnalité et on nous donne cette enveloppe physique. On peut souffrir le martyr à essayer de les obliger à correspondre ou on peut se créer notre propre univers. J'ai l'impression de faire quelque chose. J'adore ce sentiment. Ça fait des années que je voulais le trouver. Attention, chouchou, c'est pas parce que t'as joué un écrivain que t'en es forcément un. Hein.